Hey, salut tous nos amis, c'est Zoria. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Warface. Alors, je tiens à vous dire que le gameplay que je ferai ne sera peut-être pas aussi bien que d'habitude. J'ai des petits soucis RL, même un gros souci RL, donc j'essaie de faire avec. Je suis en compagnie de Gamidiax. T'avais pas dit que c'était moi qui devais commencer la vidéo d'abord? Ouais, mais comme tu mets trop de temps à le faire, comme mon jeu vient à peine de se lancer, c'est à moi de faire la vidéo. Non mais j'essaie de rigoler parce que vu ce qui va m'arriver IRL, j'ai pas trop non plus envie que ça prenne trop sur moi. En gros, il peut vous expliquer ou je peux le faire ou... Comme tu veux. Alors en gros, il vient de perdre sa grand-mère. Voilà, il a bien résumé la situation. En gros, il vient de perdre sa grand-mère et... Et je l'ai pas. Je l'ai plus. Ah, attends, il a dit... Ok, alors vocal, STP, je veux te parler, pas de yoyo. Tu peux l'ajouter si t'as envie, mais j'espère que ça va pas me faire un turscape parce que je suis sur Warface, tu vois. Je vais lui dire, alors, Tozo bébé, Tozo. Moi je veux bien, mais Vas-y. Dès qu'il te sort. Putain. Ça m'a fait un turscape. Et c'est bon, ça a pas coupé mon enregistrement. Ouf. Ouais. Hop. Attention. En même temps, pour me décontracter, je suis un rec sur un jeu. Warface. D'accord. Bon, alors, déjà, que dire, vraiment, hommage, enfin, je veux dire, je sais pas, on dit, toute ta sincérité, voilà. Il y a un membre de ta famille qui a décédé, j'ai pas compris. Ouais, la mère de mon père. Voilà, sa grand-mère, et ça m'a touché parce que bah, t'es parti comme ça, je me demandais, et c'est pas un truc qui arrive à tout le monde. Moi aussi j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années déjà, ça fait 4 ans maintenant, et j'ai vécu la même chose. Donc t'as perdu ton grand-père avant, je pense. Non, c'est la première fois que je perds un parent et que je suis grand. Toi t'as perdu ta grand-mère, alors ton grand-père il est encore vivant? Oui. Ah, donc ça devait faire un choc dans toute ta famille. J'espère que vous allez vous remettre et voilà. Parce que moi j'ai perdu mon grand-père déjà, dans ma famille, en 2013. Voilà, donc tu sais de quoi je parle. Du coup, bah, tu vis ce que j'avais vécu il y a 4 ans. Toutes mes sincérités, toutes mes. C'est quoi le mot qu'il avait dit là, je sais pas. il va chercher un mot sur Google. Bon, encore une fois les gars, excusez-moi du gameplay s'il est pas top, comme contrairement à ce que je peux faire d'habitude sur Warface. Surtout que je suis assez fort sur le jeu maintenant, donc voilà, excusez-moi. Le gameplay sera pas si beau que d'habitude. Mais je fais avec les moyens du bord. Actuellement j'ai pas l'envie de jouer sérieusement au jeu. Je veux juste ouais. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, en fait je vous en fais un petit, je me force un peu en fait. Voilà. Ah attendez, je reviens, j'arrive qu'à. Rebon, voilà, je relance une game, les gars, désolé, j'ai dû faire une grosse ellipse entre mon gameplay ainsi que bah, le jeu. Excusez-moi, parce que ma mère m'avait appelé, et du coup j'ai été kické de la game évidemment, donc je suis obligé de reprendre après. Donc voilà, excusez-moi les gars, excusez-moi. Bah, vite le dans la courbe, mais j'espère que ça va pas me faire de retour scrape quoi. Enfin, ça va m'en faire un, mais heureusement ça me coupe pas du jeu, c'est cool. Ouais, parce que apparemment là, il a dit qu'il peut pas Skype, alors que bizarrement le mec est en connecté. Ah, chose, ça. Bah, je te l'ai dit, hein, il se fout. Non seulement, j'avoue avoir menti plusieurs fois quand même, mais. Voilà. Mais il a comme. Mais quand même, il t'aime pas quand même beaucoup, hein. Il fait parfois exprès, hein, il en joue. Il se sert de moi en fait pour te troller. C'est clairement ça. Mais je veux dire, enfin, ce que t'avais dit, c'était. T'avais déjà apparemment sur Facebook, il y avait quelqu'un qui m'avait hacké qui s'appelait Marissa, je sais pas quoi là. Ouais, Marissa, ouais, y a un mec qui s'appelle Marissa, oh putain, j'ai plus de wifi. Non, mais sérieusement ou pas, ou c'est vraiment. Ouais, y a un mec qui s'appelle Marissa et j'ai reçu des mails. C'était mon compte Facebook et maintenant il s'appelle Marissa Miku et j'ai reçu des mails. Je te jure que c'est pas moi, je te jure que c'est pas moi. Est-ce que t'aurais pas par hasard donné tes codes à YoCraft ou... Jamais. Parce que moi Facebook, j'ai jamais utilisé. Sérieusement, tu peux voir mon statut? Non mais pareil, je suis pas actif, hein, moi non plus, hein. Jamais j'utilise, hein. Vraiment. Ben, t'as mis toi aussi ce que j'avais détruit son serveur alors que son serveur est en premium, bon allez. Non, si tu répondu en commentaire, son serveur je l'avais mis, vu que j'avais accès au FTP, je l'avais mis au craqué, c'est pour ça qu'il y avait un slash login. Mais j'ai jamais détruit son serveur, ça c'est totalement faux. Je sais pas, j'ai dit que j'étais pas sûr justement de qui l'avait détruit, je pensais que c'était toi mais j'étais pas sûr quand je l'ai dit. Ouais, mais pour
pourquoi je le détruirais? Biocra, c'est mon ami. Je détruis pas quelque chose à un ami. Bah, en attendant, j'ai pas l'impression qu'il te considère comme un ami, Zakirio. Oui, mais c'était avant. Mais avant, enfin, t'avais dit que c'était avant. Et avant, hein, j'avais rien à lui reprocher. C'était comme toi. Comme toi, je te parle là. Là, on se considère comme ami. On se parle, tu vois. Et j'ai rien à te reprocher. Par exemple, pourquoi j'accrée ton truc? Pourquoi j'accrée ta chaîne? J'ai rien à te reprocher, on est d'accord. C'est pour ça que je me fais buzz. Je n'aurais jamais détruit le serveur de Minecraft, je te jure. Ok. Enfin, et en plus, ça se voit quand tu mens, parce que dans la vidéo, j'ai senti un peu. Tu vois, quand t'as parlé de Maritza Miku, là, j'ai senti. Un peu. Tu vois. Attends, bah je sais pas si s'appelle Marissa Miku, je sais que je reçois des mails de Marissa, mais est-ce que c'est Marissa Miku? J'ai pas été voir, hein. Je me suis recréé depuis, je me suis recréé en Facebook. Ah, qui a quitté? Je suis ligué. Non. Mais mec, lui exclue pas, justement, on a envie de lui parler. Ouais, mais il veut pas venir. Ouais, mais c'est pas grave, laisse-le, il viendra quand il pourra. De toute façon, là, je sais même pas s'il ment, il dit qu'il peut pas vocal. Donc, au pire, voilà, pas mettre... je pense qu'il m'envoie des messages parce que je suis en plein écran, je peux pas vérifier. Mais bon, c'est un genre de question que j'accepte. Bon, les gars, comme je vous le disais, hein, excusez-moi pour le gameplay horrible que je vous fournis, c'est vrai que c'est pas le vrai game. Le craft, il est bizarre, hein. Franchement, il est bizarre. Parce que, autant sur Facebook, quand tu commandes des statues. Enfin, j'ai pas souvent sur Facebook. Mais quand je commande des statues, je lui dis ouais, bon, et de ça. Mais d'ailleurs, par contre, regarde la description de Emmerich. Tu dis qu'il avait pas de temps. Donc tu lui as dit qu'il avait, comme il dit qu'il avait pas de temps. Regarde la description de Emmerich. Non, mais va sur le contact de Emmerich sur Skype. Bah, la description. Les contacts, tu vois, il y a une description normalement. Oui, watch the read. Bah, en gros, voilà, donc en gros, il est quasiment tout le temps en train de faire des vidéos YouTube alors qu'il pourrait faire des vidéos lui-même, tu vois. Donc il dit qu'il a pas le temps alors qu'en fait, compte, il a vachement tout le temps. Il dit qu'il a pas le temps, mais le mec, il se piège lui-même, il s'est même pas mis, on n'est pas dérangé. Même Zakirio, je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Les mecs, ils se foutent de notre gueule, c'est tout. Là, j'en ai marre de leur mytho. Bah, voilà, donc tu comprends maintenant pourquoi je te dis qu'Emeric méritait son exclusion temporaire. Ah oui, en fait, si vous n'êtes pas au courant sur la chaîne Retro Gaming, on a une exclusion temporaire de Archios qui est l'investigateur du projet de la chaîne Retro Gaming, mais qui se trouve véritablement la gueule du monde, donc pour l'instant il est exclu temporairement. Il reviendra, j'espère en tout cas, mais. J'avais oublié qu'on était en règle, excuse-moi si j'ai dit un peu de trucs. C'est pas grave. Ça n'est pas la vidéo. C'est pas grave, franchement. En fait, j'ai regardé la vidéo et je pense que vos conversations avec le craft c'est plutôt calme, tu vois, c'est un peu détendant. Tout à l'heure, je me suis détendu. Et par contre, quand il y avait les mythos sur moi, là j'avais bien ri. J'avais envie de tuer. Je sais, non, t'inquiète pas. Aussi, je jouais surtout au jeu en fait. Il a commencé à parler de toi, du coup j'avais envie de continuer juste pour jouer le jeu. Mais en fin de compte, il aurait pas parlé de toi, je t'aurais complètement oublié dans cette vidéo. J'étais concentré sur le gameplay de Mario Kart Double Dash, donc si tu veux. Attends, c'est quoi ton truc là? C'est quoi ton. Mon jeu là, je joue là? Ah non, le. Marie. C'est quoi ton Facebook? C'est Extravagant? Non, c'est Zora Gang, c'est Pixel Pixel Maker, je crois, ou un truc genre, ou Pixel, je sais plus. Je te le donnerai si tu veux tout à l'heure. Non, c'est Pixel Makers 1. Ah, Pixel Makers, voilà, Pixel Makers 1. Un ami en commun. J'ai suivi Boys en contact. Les gars, ils viennent me dire, ah, je vais chercher mon micro. Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que là, dès qu'il va chercher le micro, il pourra vocal. Voilà. Yeah! J'ai un. Attends, c'est où qu'on voit où Marissa m'y couche pas quoi là? Je sais plus. On va attendre que je fasse un sort de prime, non, c'est laisse tomber, on va jamais y arriver. Naissance 28 janvier 1998. Bon, les gars, on a un ping de merde, donc je peux comprendre que le sniper c'est compliqué à utiliser, les gars. Excusez-moi, mais j'ai pas non plus des armes de malade mental, hein, écoutez, je suis. Johan Rudny. Je savais qu'on est en vidéo, hein. Rudny! Je savais qu'on est en vidéo, hein. Avant, je disais Yohan Rungi. Je sais pas quoi, là. Par contre, peut-être pour m'éclairer, j'ai une carte SD qui s'appelle SanDisk M2 128 MB, mais elle est trop grosse, du coup, je peux pas la mettre dans un lecteur SD. Ah ouais. Mais c'est comme 128. Désolé pour le truc de craft. Bon, en fait, gars, j'étais personnellement choqué sur le coup de bâtard que t'avais fait dans ton truc. T'as volé deux clés USB de 32 Go. Oui.
Non, pas possible. Si, 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 si. Oh le bâtard. C'était quelle marque? Samsung? C'était quoi? SanDisk. Ça va quand même. Il venait, on venait, le prof venait de les acheter en plus. Ils étaient tout neufs. Non, et c'est trop tard, et c'est trop tard maintenant que je suis au lycée, je suis plus avec ce prof, du coup il le saura jamais. Non, arrête. La vie. Bah je te la montrerai après, si je la retrouve, enfin je sais juste. Mais par contre mec, évite de répondre avec le compte Retro Gaming parce qu'on parle entre nous en fait. Ouais, je sais. Ouais. Bon. J'ai déjà dit que j'étais pas sûr d'eux. J'avais le FTP, je l'avais mis au crack, le login. J'avais pas envie que ça reparte en quoi, il désistait, donc stop cette histoire tout de suite. Voilà, je préfère être cash, hein. Je voudrais qu'on arrête toutes ces histoires. Je veux plus jamais entendre parler des docs en fait. Ni des docs, ni des problèmes avec Audiocraft. Je veux qu'on repasse de totalement à zéro, comme si on oubliait toutes ces histoires qui n'avaient jamais existé. Je sais, mais justement, moi j'ai envie de retracer le lien avec Audiocraft parce que finalement, je te jure que je n'ai jamais rien fait. Audiocraft. C'était un ami comme toi, quand là je te parle. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que lui ne te considère pas vraiment comme un ami en fait. Depuis que je suis arrivé en fait, maintenant il préfère être avec moi. Même avant, depuis cette vidéo, l'explication du hack, je sais pas quoi là, tu vois de quoi je parle. Depuis cette vidéo là, Yocraft est de plus en plus bizarre avec moi, tu vois. Sur sa chaîne. Après, encore une fois, j'étais pas au courant qu'il s'était acquis lui-même en fait. Ouais. Et en plus, dans la vidéo, t'en as bien profité, hein. Allez, bon, dislike. Non, mais aussi je te faisais la tête parce que je te rappelle que t'avais, y avait une doc qui avait déposé et je te pensais que c'était toi encore une fois. Mais là par contre, c'était une vraie doc qui avait déposé. En plus, je me souviens très bien, je suis sûr que c'était le samedi où c'était la première fois où j'allais dans mon cours d'arabe. Bref, voilà, ça fait sympa. Et du coup, j'ai pas pu vocal, j'ai pas pu rester en vocal. Si j'aurais pu rester en vocal, ça serait pas passé tout ça. Je suis sûr. Si je serais resté en vocal, Yuyucraft ne serait jamais devenu bizarre. Attends mon gars, j'ai Westgame qui j'ai Westgame en ami sur Steam. Il s'appelle la vachette. Par contre je te préviens, Westgame ne veut plus revenir sur Skype et il ne joue qu'à Counter-Strike. Ouais. Je lui ai demandé à l'école, je lui ai demandé pourquoi tu te connais plus après lui. Bah c'est donc en fait il passe sa vie sur Counter-Strike donc je sais pas si tu connais, c'est un FPS Ouais. Bah moi j'ai le vrai jeu, comme ça, un partage de jeu Steam fait par YoYoCraft. Ah je crois qu'on m'appelle. Oui, je reviens. Donc les amis, c'est bon, j'ai relancé une carte sur Warface. Oula, je me suis entendu en écho, super. Alors il répond pas, hein. Je crois même qu'il a quitté, ça se trouve. Non, yo 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 yo, je suis super. Ouais. Putain. Du coup je répète ou ça a bugué? En fait, je voulais qu'on arrête de se faire la tête pour rien parce que ces derniers temps-là, à cause des histoires qui se sont passées, de toute façon, on n'est rien sûr. Donc, moi, j'aimerais bien qu'avec Zorien, on repart tout à zéro, qu'on oublie tout. La vidéo, tu peux la garder, tu vois. Mais j'aimerais bien que, voilà, on reparte à zéro. Parce que j'en ai marre qu'on se batte tout le temps et que tu fasses ta tête pour rien. Apparemment, Zora avait dit que la vidéo. Enfin, je juge pas, mais la vie. Est-ce que tu t'es vraiment fait hacker ta chaîne, sérieusement? Mais c'était il y a quelques mois. Je sais. Mais bon. Par contre, YoYoCraft. YoYoCraft. Je peux dire un truc? Va te faire foutre avec ton troll de merde! Ah oui, va te faire foutre, je te jure, la vie, tu nous as fait peur, connard. Surtout qu'en plus, j'ai dit à Sully de dire. Eh Sully, dis à Tozu que c'est à cause de lui que la DS de 3D, la 3DS de Tozu. Que c'est à cause de Tozu que la 3DS est brique. J'avais une vidéo espagnole sur ça, je me suis dit c'est pas, ça peut être pas mal. Par contre, je te le dis tout de suite, et hier j'ai mis à jour ma 3DS et j'ai vraiment eu un écran vert. C'est quoi, il y a une nouvelle mise à jour? Bah ouais, moi ça m'a proposé de faire la mise à jour 1.4, enfin 11.4. Bah non, ça fait pour les personnes qui ont Luma 3D, ça fait un écran vert. Et comment t'as fait? Bah j'ai réussi à lancer une backup, mais il fallait que je flash ma carte mère. Il fallait que je fasse un rare mode. Parce que peut-être qu'ils vont réussir à sortir un crack pour downgrade dans la 3DS.
Bah, perso, je te disais, moi j'en ai eu une. Après, est-ce que toi tu vas l'avoir? Parce que moi j'ai une 3DS un peu spéciale, je dis, j'ai une 3DS ambassadeur, donc je l'ai mise à jour en avance. Parce qu'elle est ambassadeur. Bah, peut-être parce que je suis en ambassadeur Nintendo. Mec, regarde, je suis en train Parce que moi je te le dis tout de suite, elle a été mise à jour toute seule, en arrière-plan. Ouais, enfin, moi je te dis juste, j'ai les mises à jour en avance, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a la dernière version, c'est la 36E. Ouais, je sais. Comment ça t'a proposé la mise à jour en fait? Bah, en gros, maintenant je l'ai allumé et tout, tu vois. Je l'ai pas éteint parce que j'étais parti simplement aller manger. Je l'ai laissé allumé dans mon sac et je suis revenu en fait. Il m'a dit, votre console va redémarrer pour après la mise à jour, tu vois. Et du coup, Ça m'a jamais fait ça, mec. bah, moi, peut-être pas sur Une ma. 3DS craquée. Non, mais lui aussi il a une 3DS hackée. T'as réussi, la 3DS, elle a survécu. Bah, oui, normal, j'ai fait le hard. Avec le hard mode, j'étais au grade avec une backup pour revenir en 11.3. Oh bah. Qu'est-ce que ça te fait? Oh putain, j'ai reçu des SMS. Oh non. Oh non. Oh non, c'est bon. Oh non, ok, d'accord, il y a Sifano qui envoie un tweet. T'as réussi à sauver ta 3DS? Ouais, j'ai hard mode la console pour revenir sur une vieille backup que j'avais faite. T'avais briques? Ouais, elle avait briques, elle était écran vert. Écran vert ou. Non, normalement c'est écran bleu. Pas forcément. Généralement c'est écran noir ou écran vert. C'est très très généralement pas l'écran bleu parce que l'écran bleu c'est. Dev menu 11.4. Je viens de trouver ça. Ah, wow. Le lien, s'il te plaît. Bon, je peux pas, je suis en vidéo sur YouTube. Je sais pas, bon, j'ai écrit en fait 11.4 3DS en fait. Je voulais vraiment savoir c'est quoi. Ça, apparemment, c'est un dev menu, mais moi, comme j'y connais rien. Mais Zoria, comment t'as fait pour avoir une 3DS ambassadeur? C'est-à-dire. Bah, il faut avoir acheté la console en tout début quand elle est sortie. Ah ouais, il a acheté une console sur un site pré-craqué. En fait, Non. La 3DS, elle est craquée. Non. Non, être ambassadeur Nintendo, c'est comme en fait, quand les consoles sont sorties, en fait, tu pouvais devenir ambassadeur Nintendo. Ce qui fait qu'en fait, il y avait certains jeux que t'avais gratuitement, comme Zelda Minish Cap, t'avais quelques jeux Nintendo gratuits. C'est quoi? Je suis pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai les mises à jour en avance. Oh putain, Mec, ça a été publié le 17 novembre 2016. Ah ouais. Le 17 novembre? Non, le 17. Mais peut-être que le dev menu c'était un menu de dev pour les consoles hackées aussi, hein, peut-être. Hein. Je ne sais pas, moi je. Ah Moi. non, c'est la version du dev menu. La version du dev menu c'est 11.4 pour un CIA, mais on s'en fout. Ah, ça y a, voilà, ça y a. Mais nous, on doit utiliser. Moi, mon FBI ne marchera jamais, hein, parce que je suis en 11.3 déjà. 36E, c'est pire, parce que je peux pas dans le grade. Bah oui, 11.3.036E. Il y a qu'une seule version qui est 11.3 et c'est celle-là, c'est la 11.3.036E. Non, il y a pas l'11.4, mec. Bah oui, mais peut-être parce que je suis ambassadeur. Je sais pas, je crois qu'il a eu un truc bizarre, je sais pas, au pire, ça devait être un bug ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, j'ai un mode de la console pour revenir sur une vieille version. Ouais, tu utilises le CTR HTTPS, ça permet de lancer l'eShop même quand tu l'as pas mis à jour. Ouais, mais c'est dans l'Umbro Launcher que tu l'as ce truc-là. Ah, c'est l'Umbro Launcher. Ben oui, t'as un truc qui s'appelle CTR HTTPS. Et ben ça a pour façon de lancer le Nintendo eShop sans la mettre à jour. C'est ça qui est bien. Bah, en fait, c'est son nom qui l'a. Ouais, avec le sound axe. J'imagine que tu utilises le sound axe, toi, non? Je pourrais jamais downgrade et mettre des jeux et installer le FBI. Bah, je pense que normalement, il y a des nouvelles méthodes qui vont apparaître. Bah, à mon avis, ouais, il va y avoir de nouveaux exploits kernels, à mon avis. Hein. Il y a tout le temps de failles. Et puis, avec la Nintendo Switch et Nintendo, ils vont arrêter de mettre à jour la 3DS. Non, justement, ils veulent pas abandonner la 3D. Bah, c'est leur meilleure console à Nintendo, hein, franchement. Hein. Zoria, j'ai découvert un jeu. Bon, tu vas me traiter de vieux parce que ce jeu est sorti en 2013. Donkey Kong Country Return 3D. Non, franchement, 2013 c'est récent. Moi je te dis, c'est récent. Mec,
ce jeu il est trop fort. Je peux pas trop te dire parce que j'ai jamais été très trop ce jeu, ce genre de jeu. Bon les gars, ça fait bientôt 20 minutes de vidéo. On va faire peut-être une début de game, mais après on va s'arrêter parce que ça fait bientôt 20 minutes qu'on est sur Warface. Même si je sais qu'il y a eu pas mal d'interruptions de game étant donné que ma mère m'appelait, mais c'est pas très très grave. Malgré du coup mes problèmes IRL que je viens d'avoir, mais bon. D'ailleurs Zachary n'est pas au courant. Ouais, en fait, vraiment, là c'est vraiment sérieux en fait, ça... Enfin, je sais pas si... Bon, bref. Vas-y, explique-lui, les horaires, parce que moi, c'est... Voilà. Ma grand-mère est morte. Lucili. Donc ça, c'est vraiment... C'est... Voilà, quoi. Ouais, bon, les gars, le temps... Le temps... Pourquoi elle rigolerait sur ça? Mais j'ai le Umbro Launcher. Ouais, mais j'utilise le son axe. Bref, les gars, on va s'arrêter là parce que sinon ça va faire trop long. Le temps que je lance la partie et que j'y joue, ça va être trop long. Ça fait 20 minutes de jeu, donc on est parti. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait quand même fait plaisir de voir un peu de Warface. Évidemment, essayez de commenter pour me dire ce que vous en pensez, justement, des grands-parents qui décèdent. Enfin, voilà. Pouce bleu. Faites un pouce bleu égale et y a un grand-père sauvé. j'ai un pouce bleu égale un sac Kirio défoncé avec un sniper. Allez, c'est ça, c'est des arrivées, bye bye tout le monde, ta gueule!